Ok, on est sur quoi là? The Hidden Lux Main Incarnate Grandmaster. Mais comment ça, Lux caché? Lux, c'est pas caché, Lux, tout le monde joue Lux, non? Ou c'est que à mon elo? Ok, donc ça doit être le build, et il doit y avoir un truc spécial. On va regarder ça, ça va être intéressant. Il a vu le Nico arriver. Ok. Et il est en 3-0 là, on peut voir. Ok, Nunu. Ok, le dodge. Donc là, c'est un peu un clip de cette plays. Ma, mais qu'est-ce que je viens de voir? La folie. La folie. Boum. Comment il fait pour carry avec Lux? C'est vrai que c'est un Lux. Lux, c'est un champion qui de base est assez simple. Et ok, il joue Moisson d'Or. Et du coup, je pense qu'à Willow, en fait, ça doit être extrêmement dur de quand même de jouer contre, enfin de jouer de proactif et de surprendre les gens en fait. Quand t'as un champion très mécanique, très tout ça, tu peux toujours surprendre, tu vois, juste par les combos du champion. Mais là, bah, comme dans le clip, il faut bait, il faut jouer un peu avec ce qu'on peut, avec les éléments du décor, hein, comme les tours. Your damage is clean, come from. Ok, pas le taux du passif. Donc quand tu touches un sort, nénia, tu peux mettre le taux quoi. Ah. Quoi? Attends, il a EE. Derrière, il a pris tellement de dégâts qu'il a pu avoir un moisson noir. Genre niveau 1. Après là il joue contre Talia. Oh il est mort. Il est mort, il est mort. Touche une cage niveau 2, t'as la prio. Ouais, là il auto. Bon, c'est pas le passif, ça c'est après, c'est les combos de Lux. Bon, faut pas non plus une folie. Je pense que l'Ignite c'est pour assurer le kill, hein, ou pas se casser la tête. Ouais, ça je me fais souvent avoir. C'est pour ça que j'essaye toujours de. Enfin, je me fais souvent avoir, je fais souvent gaffe à ça plutôt. De se mettre derrière deux sbires et pas un. Ça sert à rien, un seul. Pas gros. Respecte un peu, non? Ok. Mais pour faire ça, faut les mettre en condition. C'est-à-dire que là, il explique qu'en gros, on va chercher à mettre des E et des autos avant de mettre ton Q. Mais ça, n'importe qui le fait, non? C'est-à-dire que là, tu vois les mecs qui vont aller droite-gauche, mais ils s'en doutent que le mec va pas lancer sa cage. Ça, tu le fais à plus bas elo, non? Je comprends que là, c'est un peu dans l'abus, tu vois. C'est clairement dans l'abus, mais qu'il y a dash et tout. Il a là, jamais lâché sa cage. Bah, c'est normal, ses dégâts viennent pas forcément de la cage, en fait. C'est plus du E, et le E est très dur à esquiver. Donc, ouais. Ouais, pour moi, c'est assez normal. Mais j'avoue que c'est assez compliqué à réaliser, tu vois. Mais dans la théorie, oui, c'est. Bah, c'est luxe, quoi, c'est assez simple. Ouais, voilà. Tu E toujours en premier avec luxe. C'est normal. Le E, il est énorme, il fait toute la map, frérot. Pour le rater, il faut vraiment que le mec dodge au moment où tu le lances. Parce que sinon, c'est trop dur, hein. Oh, il a gardé. Tu vois, c'est la même chose que pour Yasuo là, parce que il a gardé sa tornade tout le long. Ouais. Tu vois, il a essayé de dodge et tout. Et même au moment où il allait balancer un sort, du coup, il a flash pour esquiver encore. Et il l'a gardé pour EQ là-bas, mais ça n'a pas suffi. C'est un peu la même idée. Ok, le W c'était pour bait. E flash. Il a mis une auto pour le Q. En fait, il joue parfaitement. En fait, si tu rates une auto passif,
c'est tu perds en fait du DPS. Ok, suffit de flash in en fait. Ah, il auto instant. Ok. Après oui. Mais au moins ça augmente le DPS. Genre le... Ça augmente parce que tu... T'es plus court en fait. Bon, ça augmente le DPS. Mais elle a tellement de dégâts en vrai le champion. Quand tu compares, il y a pas mal de mages. Mais Lux, niveau... Allez, 2-3, ça commence vraiment à faire mal. Hein. En fait, là, elle a même pas d'item, on le voit. Mais avec chapitre perdu, ça fait déjà trop mal. Tu peux dive avec Lux, du coup? Avec le flash. Avec le flash, quand même. Mais bon. E to start, Q. Ok. Donc tu one-shot les ranges, bon ça c'est assez normal, mais faut mettre le full combo. C'est-à-dire qu'il commence par des autos pour bait. Il se rapproche évidemment. Ok. Donc là il s'est rapproché avant la cage pour mettre le R. Pour pas que le passif ouais, comme il explique. Est-ce qu'il met l'auto? Je crois pas qu'il mette l'auto, il la met après. Pour être sûr de quand même toucher le R. En fait, le truc, c'est quand tu Q à l'aveugle comme ça, si tu mets pas ton E, tu sais pas que t'as touché. E-E-R. P-R-E. Ouais, faut aller chercher plus d'auto quand les mecs ils ont plus d'HP, mais là avec le E il tue. Bon, avec l'auto. Il a attendu la fin du proc de l'Ignite quand même, pour être sûr que l'Ignite fasse un max de dégâts. Ok, ouais, je vois. Mais le but c'est quand même de te mettre une auto entre chaque spell, mais le problème c'est quand tu... Ok, donc avant de... Pendant que tu erres, normalement tu peux E, mais ça dépend. En fait, faut connaître les dégâts pour ça, hein, pour savoir si tu dois mettre une auto ou pas. Ouais, c'est le privilège de jouer Lux, tu peux rester sous ta tour. Et mettre un R. Non, c'est grave. Mais bon, après, il faut quand même des items pour faire ça. Mais ça reste terrifiant, ça. Il a eu le... C'est très grave. Oh là 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 là. Il tue là? Il va falloir tenter à l'arrache là. Ma, le blue trinket qui carry là. Let's go! Merci Lux pour le Nash.
Quoi? La diversion, ce qu'on appelle. J'ai pas compris l'histoire de l'item. Oh les dégâts. Terrifiant. Quoi? J'avais pas vu le Jace. Ouais, une sur les CC, d'accord, ouais. Jusque là tout va bien. Bah je vous joue. En fait le problème c'est que la Lux elle a tout le temps son ult là, non? Ça touche. En vrai le mec est quand même vachement chaud après. En fait le truc c'est que dans les match-up ça doit être trop compliqué pour un... pour réussir à bait à chaque fois et à tout toucher en fait. Je pense plus que ça doit être un parmi les champions qui t'es pas censé toucher en fait. T'es pas... ton E oui pourquoi pas, ton Q un peu moins. Et le R dépend de ton Q en fait. Tu vois, du coup. Mais gros, tu tunes le blanc mais. C'est une folie. Oh là là. Quand les gens sont alignés comme ça là, c'est ma. Bah fiddle. Wow. Counter Fizz Z. Ouais. Surtout Fizz, bon après Fizz.